cap aider bandi joindre audience ba yo micro pour faire message yo passer pour carte nous pas té peur nous pas peur nous pas jambe peur. Bonjour, bonsoir, frère et sœur Magrissé. Gros salutation pour vous. Ça fait nous vraiment plaisir parce que vous regardez la vidéo nous et nous souhaitons que tout le monde en forme en bas grâce, bon Dieu, ou même tout qui regarde la vidéo nous pour la première fois. Gros salutation pour tout et nous souhaitons que vous en forme. Et puis, nous avons bloqué 11 gens qui ont supporté le travail là. C'est garder à droite. Pesez le bouton subscribe et abonnez sur le téléphone en français. Ou petit cloche par être retiré, sous-personnalisé, mettez sous tout. Est-ce que vous mettez sous tout ou petit cloche en poussé des petits oreilles qui étaient là? Ça veut dire YouTube à vous dire. Chaque clé nous mettez en nouveau vidéo. Nous pas fait pendant pile en entrer directement dans l'actualité. Hier, nos ennemis étaient les colons, les esclavagistes, leurs commandeurs, souvent des congénères, hélas. Jodia, l'ennemi nous, l'ennemi peuple haïtien, c'est bon terroriste. Qui pas hésiter servir avec violence pour touiller monde avec toute sans foi pour kidnapper pour retirer liberté pour violer et faire tout ça pour l'argent. Je dis à l'ennemi peuple haïtien c'est monde qui a volé l'argent l'état c'est monde qui a fait contrebande qui dérefuse payer la douane. C'est moun k'ap fè magouille pour dormir sous DGI et empêcher l'État. Et empêcher l'État joindre moyen pour répondre revendication peuple là. Jodi a l'ennemi République d'Haïti, c'est moun kap cherché enterrer démocratie. Moun kap passé la loi en bas pied et puis mépriser toute règle nous mettez pour nous bien vivre ensemble. L'ennemi peuple là, jodi a, c'est grand goût Clorox, c'est la misère, c'est inégalité. ...2021 a été un anus horribilis pour le peuple haïtien. En ce jour de célébration et de communication nationale et de communion nationale, je ne veux pas ressasser nos malheurs ni les calamités qui nous ont frappés cette année. Mais nous ne devons pas passer sous silence l'assassinat du président, ni le tremblement de terre dévastateur qui a ravagé le Grand Sud, ni les crimes des terroristes, et ni plus récemment le drame survenu au Cap-Haïtien. En 2022, le combat des Haïtiennes et des Haïtiens authentiques est celui de la recherche de la cohésion nationale, de l'unité, de la stabilité et de la réconciliation. 2022 doit marquer la fin des égoïsmes, des animosités et des luttes sans grandeur. 2022 doit être l'an premier de la reconstruction durable de nos institutions démocratiques. 2022 doit voir un retour à un fonctionnement normal de notre pays, à la libre circulation des personnes et des biens à travers le pays. En 2022, s'il vous plaît, En 2022,
Nous devons voir Haïti retrouver un environnement propice pour l'organisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques et pour la relance de notre économie. Gen an pil moun ki toujou ap pale de refondasyon nasyon an e ki ta remen wè nou fè yon veritab ruptur avèk mouvè pratik yo. Komportman ki mene peyi a nan situasyon malouk li trouve lè a. Ndap di nou comportement qui mène un pays à dans situation malouk li trouve lid la dans là et qui fait en pile moun perdu repère yo ak toute valeur morale qui s'est potomi dans toute société. C'est pour atteindre cet objectif et pour me remédier à l'état de fait subventionné que j'ai entamé dès les premiers jours de ma prise de fonction une démarche de rassemblement et de dialogue. J'ai travaillé sans relâche en vue de rapprocher les positions de divers groupes qui sont divisés sur la forme et sur les personnes, mais qui, au fond, n'ont pas des divergences insurmontables. Avec de nombreux partis et regroupements de partis politiques et des organisations de la société civile, nous sommes parvenus à un consensus historique entre des groupes qui auparavant s'affrontaient politiquement. Cette démarche a débouché sur la signature de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. À tout l'autre mounio qui partisans l'autre solution, l'autre initiative. Moi, je voulais dire, jodian, l'heure pour nous chita, pour nous parler. Nous devons agrandir consensus dans l'intérêt patrie commune. Je convie toutes les filles et tous les fils de la nation à regarder dans la même direction, à reprendre la stratégie unitaire de nos ancêtres qui les a conduits à la conquête victorieuse de 1804. J'ai la ferme volonté de poursuivre dans cette démarche de rassemblement avec détermination et opiniâtreté. Je reste convaincu que cette voie qui privilégie le dialogue et la recherche du consensus nous conduira à bon port. Les défis pour l'année 2022 sont à la fois sécuritaires, politiques et économiques. Sécuritaires d'abord parce que nous vivons une situation inacceptable qui requiert de la fermeté et des actions déterminantes pour faire régner l'ordre, la discipline et le respect de la règle de droit. Il nous faudra tout mettre en œuvre cette année pour mettre définitivement un terme à la barbarie de ces terroristes qui tuent impunément des victimes innocentes. Les familles doivent cesser d'avoir peur de passer dans certains quartiers ou de circuler au-delà d'une certaine heure. La peur doit changer de camp. Li temps pour moun ka parader à gros âme, fan foi, à exam illégal. Moun ka fè menace dans médias ou sous réseaux sociaux. Moun ka passé autorité l'État en bas bêtise. M'ap met tout moun sa yo konnen. Mauvais plaisanterie sa yo, vle pa vle, gen pou yo fini. Samson di la, concerne tout moun,
tout le monde qui a servi à l'autre monde, individu, ça y est, pour régler les affaires politiques yo, ou pour régler toute l'autre cause. Yo. Ma profite lancer un appel à sens responsabilité média yo cap aider bandi joindre audience ba yo micro pour faire message yo passer pour ka terroriser population dans l'autre pays. Comportement ça te gen conséquences dramatiques, nous pa ta renmè ou la caille nous comme ça. Peuple là campé, peuple souverain campé, nèg bayan ou campé, peuple haïtien enlevé campé. Nous pas té peur, nous pas peur, nous pas jamais peur. C'est nèg té anouyé. Nous dit mardi gras pas peur, c'est mounouyé. Bay paya yon chance. Changez métier. Suspendre alimenter chaîne violence là. En 1996, nous avons perdu dans la Tibonite trois jeunes garçons. Jean-Aubert Sius, Mackinson Michel avec Daniel Israël. Jodi encore, moi je voulais dire tout le monde, tout secteur, c'est ensemble pour nous sauver le pays d'Haïti. Mais attention, bandit, pas la donne. Magouillé, pas la donne. Terroriste, pas la donne. Mon gouvernement a engagé des discussions sérieuses avec certains pays amis pour l'obtention de la levée de certaines restrictions sur l'acquisition de certains matériels pour nos forces de l'ordre. Plusieurs nous ont promis un soutien effectif en équipement et en matériel de protection, de communication et en formation. Nous espérons voir la concrétisation rapide de telles promesses dans les premières semaines de cette année. Il en va de la survie de notre nation et de la possibilité pour notre pays de sortir du cercle vicieux de l'instabilité politique. Défi politique également. Dans les prochains jours, je vais recommencer à rencontrer les divers secteurs de la vie nationale pour discuter de la meilleure façon de mettre en place les divers organes prévu dans l'accord du 11 septembre. Nous devons constituer rapidement un conseil électoral provisoire crédible avec des personnalités qui inspirent confiance et encouragent les électeurs à participer en grand nombre au prochain scrutin, qu'il s'agisse de la consultation populaire sur les changements à apporter à notre Constitution ou des élections devant choisir les futurs élus qui auront à diriger le pays. L'Assemblée nationale constituante et l'autorité de contrôle et de suivi également sont des outils essentiels pour la gestion de la période intérimaire dans la transparence, et tous ces instruments seront opérationnels dans pas longtemps. Des derniers temps, des personnalités ont fait connaître leur position sur des échéances prévues et qui vont arriver dans les jours et les semaines qui viennent. Là encore, je crois que c'est par le dialogue et la concertation que nous parviendrons à gérer ces questions de façon harmonieuse, sans créer des heurts et des tensions inutiles. Défis économiques aussi. L'instabilité politique et les sécurités ambiantes ont impacté négativement la situation économique de notre pays. La valeur de notre monnaie
a chuté considérablement et se maintient à un taux qui favorise l'inflation et affecte le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Notre déficit budgétaire a atteint des niveaux insupportables qui nous ont obligés à prendre des mesures difficiles comme la suppression partielle de la subvention pour les produits pétroliers. Je veux réitérer ici, je veux réitérer ici mes félicitations au peuple haïtien pour sa maturité qui lui a permis de comprendre l'impérieuse nécessité de revenir à la vérité des prix dans un contexte aussi difficile. Nous avons l'intention de poursuivre dans la voie de la gestion rigoureuse des finances publiques en engageant une lutte sans merci contre la contrebande qui fait perdre des sommes considérables au trésor public. Et je le répète, nous prive des ressources précieuses, indispensables pour répondre aux revendications légitimes du peuple. Cela va mécompter ceux qui en profitent, mais c'est une nécessité incontournable et nous le devons bien au peuple haïtien. Nos besoins sont énormes et nos ressources sont très limitées. Il nous faut impérativement augmenter sensiblement les recettes de l'État sans augmenter les taxes. Il va s'agir pour nous de mieux organiser la collecte des impôts et de nous assurer que chacun s'acquitte de sa part. La lutte contre la corruption fait aussi partie des objectifs fixés dans l'accord du 11 septembre. Le gouvernement aura besoin du soutien indéfectible de tous les citoyens généraux et des plus jeunes, des Petrolia Challenger en particulier. La lutte sera longue et difficile, mais nous ne pouvons pas nous dérober face à cette responsabilité. Nous avons besoin de l'appui de nos bailleurs de fonds et j'ai de bonnes raisons de croire que nous allons l'obtenir cette année. Mais nous avons aussi un besoin de rigueur, de transparence et d'un engagement ferme à rendre compte à nos concitoyens. 2022 doit être l'année de la vaccination contre la COVID-19. C'est Haïti qui gagne moins de monde qui prend vaccin dans tout pays, dans la zone. À quantité cap augmenter dans un pile pays, si nous pas fait attention, si nous pas fait plus monde prend vaccin, nous risquons de mettre Haïti en quarantaine. M'ap encourage tout le monde, respecter mes barrières, mettre masque et prendre vaccin. Dans le dialogue, la concertation et la paix, nous pouvons engager ensemble la reconstruction de notre pays et donner un avenir et de l'espérance à notre jeunesse. Actuellement, matin, comme traditionnellement dans Haïti, nous t'es allé assister Te Deum traditionnel dans la cathédrale catholique Gonaïve. Malgré toutes menaces que tu as fait, toute intimidation que tu as fait. Moi, je voulais remercier Claire Géa qui vient célébrer en bas-bal Te Deum. Mes remerciements vont aussi et c'est spécialement à nos valeureux policiers et soldats de l'armée d'Haïti qui ont su faire respecter
l'autorité de l'État. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont rendus à cette célébration et qui ont rendu cette célébration possible. Que 2022 soit une année bien meilleure que 2021. Puisse notre pays retrouver la paix et la sérénité dont nous avons tant besoin pour que quelque chose change enfin en Haïti. Nous t'es fait 1804, nous qu'à refaire encore. Vive la République d'Haïti, vive l'union, vive la fraternité, vive le dialogue, que Dieu bénisse Haïti. Merci. Vous allez signer le livre d'or, monsieur le ministre.